Bonjour, mon nom est Carole Vincent, je suis directrice générale du CQSS. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour entendre Yann Descaries de HEC Montréal qui va nous parler d'un sujet qui nous intéresse, nous interpelle tous, j'en suis certaine. Yann, merci d'avoir accepté notre invitation de présenter aujourd'hui. Alors, la façon qu'on va fonctionner, c'est que Yann va présenter ses travaux pour environ 30-35 minutes. Ensuite, on va passer à la période de questions. On vous demande de poser vos questions à micro ouvert. Donc, vous aurez la possibilité de lever la main. La technicienne qui nous assiste aujourd'hui va pouvoir ouvrir votre micro et vous pourrez poser votre question. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré aujourd'hui. Alors, Yann, à toi la parole. Encore merci d'être là. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Donc, bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités, de nous donner l'opportunité de présenter nos résultats dans le cadre de ce séminaire. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous faire un bref bilan de la surmortalité au Québec et comparer les résultats du Québec avec la Colombie-Britannique. Un point là, très important, là, c'est qu'ici, on va vraiment s'intéresser aux résultats de la première vague donc de coronavirus et non l'ensemble des données disponibles. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Pierre-Carl Michaud, professeur au HEC Montréal. Et je tiens aussi à remercier plusieurs de mes collègues là, qui nous ont assistés puis pour l'ensemble des discussions qu'on a eues sur le sujet tout au long de la mise en œuvre de cette étude. Donc, on va commencer par l'objectif de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette étude, justement? C'était de comprendre pourquoi le Québec avait été si durement touché durant la première vague de la pandémie. Pour ce faire, on va faire une comparaison entre les résultats du Québec et ceux de la Colombie-Britannique. Pour ceux qui se demandent pourquoi on a choisi la Colombie-Britannique, donc, si on se replace au moment là, où nous avons réalisé cette étude-là, on se doutait que les données de la Colombie-Britannique étaient de bonne qualité. Donc, on sait qu'au début, il y a eu certains enjeux là, pour justement avoir le bon nombre et au bon moment le nombre de décès. Et aussi, la Colombie-Britannique est une province qui figurait bien donc, par rapport à la mortalité durant la première vague. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va faire cette analyse-là de la mortalité ou de la surmortalité en regardant différentes variables, donc les causes de décès et aussi les milieux de vie. Donc, on sait que le nombre de décès qui sont attribués au coronavirus, ce n'est pas nécessairement le meilleur indicateur pour comprendre l'effet de la pandémie. C'est un indicateur qui est très publicisé, donc on le voyait à chaque jour. Là, je crois que tout le monde recevait une petite alerte sur son téléphone lui disant le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs. Mais les décès qui sont attribuables au coronavirus ne sont pas nécessairement la meilleure mesure pour comprendre l'effet. Donc, particulièrement quand on est au début de la crise, donc pendant la première vague, on sait qu'il peut y avoir des problèmes de sous-déclaration. Il peut y avoir aussi plusieurs problèmes dus au fait que c'est nouveau et il peut y avoir certaines erreurs ou des décès qui sont attribués par erreur au coronavirus ou des décès qui sont survenus avant que les gens soient testés, donc qui ne sont pas attribués à le coronavirus, même si c'en était bien la cause. Il y a aussi ce qu'on appelle les conséquences indirectes qui sont positives ou négatives. Donc, suite aux mesures qui sont mises en place, il y a certaines conséquences certaines de ces mesures ont des conséquences sur la mortalité. Donc, on parle ici d'intervention médicale annulée ou reportée. Donc, quand il y a du délestage, ça peut avoir un effet sur la mortalité. Il y a aussi la baisse du nombre de consultations. Donc, si les gens ont des craintes d'aller dans les urgences ou dans les cliniques médicales, ils consultent moins et donc ça pourrait avoir un effet sur la mortalité. Il y a aussi des effets positifs, donc la baisse du nombre d'accidents de la circulation. Donc, les gens sont confinés, ils restent à la maison, moins de gens sur les routes.
moins d'accidents et aussi une baisse du nombre d'accidents de travail. Donc, il y a certains milieux qui ont été arrêtés. On pense au milieu de la construction qui a été arrêté. Aussi, les gens qui travaillent de la maison ont peut-être une tendance à faire baisser le nombre d'accidents de travail. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de regarder la surmortalité. Donc, ce qui nous permettrait de prendre en compte cette mortalité-là et aussi ce qui nous permettrait de prendre en compte les causes indirectes ou les répercussions indirectes de la coronavirus. Quand on parle de surmortalité, on veut dire que c'est le nombre de décès supplémentaires à ce qu'on devrait s'attendre. Donc, c'est ce qu'on définit comme étant la surmortalité. Et je le répète, nous, on s'intéresse uniquement, on a analysé uniquement dans cette étude la première vague, donc mi-mars à mi-juin. Un des points aussi importants pour cette analyse-là de la surmortalité, c'est les données. Donc, je vous donne un exemple ici. Si on regarde les données qui sont sur une base annuelle, donc en général, le nombre de décès au Québec a une tendance à augmenter d'année en année. Donc, si on regarde uniquement en 2020, on voit que le nombre de décès est quand même beaucoup plus élevé, ou plus élevé à ce qu'on pourrait s'attendre. Si on regarde justement ces mêmes décès-là et on les sépare par trimestre, on voit qu'il y a une concentration du nombre de décès entre 2019 et 2020, entre avril et juin. Et si on va maintenant aussi, si on désagrège encore, donc on regarde les décès hebdomadaires, qui sont maintenant une nouvelle série qui est disponible sur le site de l'ISQ, on se rend compte qu'on a une partie, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais on voit très bien ici là, que l'excès de mortalité, en tout cas le nombre de décès est nettement supérieur, donc dans la partie là, du entre mi-mars, mi-juin. Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on va traiter durant cette présentation. Nous, les données qu'on va utiliser, malgré le fait que certaines de ces données-là qui sont publiques ou qui pourraient provenir de d'autres sources, on a utilisé la base de données canadienne de l'État civil, donc disponible dans les centres de données de recherche. La diffusion que nous, on a utilisée était donc la diffusion du 28 août 2020. Et les données qu'on rentre dans notre modèle, donc parce que là, on pourrait avoir plusieurs années, nous, on a utilisé des données de 2015 à août 2020. Et dans cette base de données-là, les variables qui nous ont intéressées, donc pour chacun des décès, on regarde le moment où le décès est survenu, le sexe, l'âge, le lieu de décès, le milieu de vie et aussi la cause de décès. Donc, méthode. Donc, quand on parle de la surmortalité, la première chose qu'il faut avoir, c'est donc le nombre de décès attendus. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent là, pour calculer le nombre de décès attendus. Nous, ce qu'on a utilisé comme méthode, c'est une méthode qui tenait en compte les effets de soit des semaines ou aussi les effets d'années, parce qu'on le sait que dans une population vieillissante, comme celle du Québec, la mortalité a tendance à augmenter année sur année. Donc, on veut tenir en compte de cette tendance-là, que les décès augmentent à chaque année. Et donc, on utilise un modèle de Poisson qui prend en compte l'année et la semaine où le décès est survenu. Donc, une fois qu'on a notre nombre de données, le nombre de décès estimé, donc ou attendu, on essaie d'avoir certaines mesures. Nous, ici, on a utilisé la même méthode que le CDC pour avoir la différence ou le nombre de décès en excès. Donc, il y a deux mesures qui étaient présentées par le CDC. Donc, la première, où on voit la différence, c'est le maximum entre les décès observés et les décès attendus. Et la seconde mesure, donc on utilise la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95 %. Donc les décès attendus moins la borne à 95 % qui nous donne le nombre de décès en excès.
Donc, ici, bon, là, on a utilisé cette méthode-là du CDC. Et puis, comme on était au début, comme on était dans la période de la première vague où il n'y avait pas nécessairement d'excès de mortalité négative, donc on pense que cette méthode-là, elle est bien pour notre type d'analyse. Donc, ce qu'on fait, maintenant, on va rentrer dans la partie qui est vraiment plus comparaison, donc entre le Québec et la Colombie-Britannique. Avant de rentrer dans l'étude ou les effets de la surmortalité, je veux juste je vous montre deux graphiques ici là, très rapidement. Donc, le premier, celui qui parle de la grippe saisonnière. Donc, on a fait une analyse relativement simple des taux de positivité de l'influenza A et de l'influenza B, juste pour vous démontrer que, bon, le Québec et la Colombie-Britannique pour l'activité grippale, donc un peu avant la période de pandémie, et quand même, c'est l'activité grippale est similaire entre le Québec et la Colombie-Britannique. Le second graphique, donc, ici, là, on voulait parler du fameux effet de la semaine de relâche. Donc, je pense qu'au Québec, on a entendu parler beaucoup, et puis on a essayé d'expliquer pourquoi le Québec était si gravement touché. Ça a été souvent la semaine de relâche qui était plus tôt une des explications qui a été lancée. Nous, là, pour essayer de comprendre ce qu'on a fait, on a utilisé les indices de recherche Google. Donc, on compare l'évolution de cet indice-là pour l'aéroport de Vancouver, l'aéroport de Montréal. Et vous voyez sur le graphique, donc les traits bleus assurés, donc qui étaient la semaine de relâche au Québec, qui est un peu plus tôt que celle de la Colombie-Britannique, qui est en rouge. Et malgré le fait là, que la semaine de relâche est dans une période différente, on voit que les tendances de recherche des deux aéroports sont vraiment similaires et il n'y a pas de grandes différences entre ces deux éléments-là. Mais on est conscient que c'est pas une analyse aussi poussée que si on regarderait effectivement le nombre de voyageurs. Donc, ce serait peut-être une analyse à peaufiner, mais donc, pour nous, on regarde et on se dit, bon, la semaine de relâche ne peut pas expliquer les différences que je vais vous présenter entre le Québec et la Colombie-Britannique. Donc, premier graphique, ici, on regarde vraiment le nombre de décès. Et donc, on voit que durant cette période-là, la Colombie-Britannique, bon, le nombre de décès était vraiment... Il y a eu une petite pointe au début de la pandémie et rapidement, le nombre de décès là, de 2020 qui est en rouge est retombé un peu dans ce qu'on pouvait s'attendre dans la moyenne des années précédentes. Par contre, vous le voyez là à droite, pour le Québec, c'est totalement pas le cas. Donc, à partir de la mi-mars, on voit que le nombre de décès a vraiment explosé. Et on arrive à des décès hebdomadaires là, jusqu'à 2000 décès au pic de la pandémie. Maintenant, on peut regarder aussi les décès qui sont vraiment attribuables qui sont attribués à la COVID-19. Donc, on regarde la Colombie-Britannique en rouge, le Québec est en bleu. Faites attention ici, là, on a une échelle logarithmique là, pour pouvoir garder le nombre de décès sur le même graphique. Mais on voit que, bon, même si les premiers cas et les premiers décès ont été déclaré un petit peu plus tôt en Colombie-Britannique. Quand c'est rentré au Québec, le nombre a explosé, a augmenté beaucoup plus rapidement. Donc, pour la période qu'on voit jusqu'ici, là, pour la période de la première vague en Colombie-Britannique, on avait moins de 200 décès qui étaient attribués à la COVID-19 et on en avait un peu moins de 6000 à ce moment-là au Québec qui étaient attribuables à la COVID-19. Donc, maintenant, si on regarde vraiment sur la période où, si on regarde nos indices de mortalité excédentaire, donc, vous voyez que les deux provinces se distinguent. Donc, au Québec, le nombre de décès excédentaires est vraiment plus grand. Là, ici, là, vous voyez, on a utilisé la base de données d'état civil. On a fait aussi une comparaison avec les données de l'ISQ. À ce moment-là, vous voyez que les données de l'ISQ
était, le nombre de décès était un petit peu plus élevé, mais la tendance était similaire. Donc, l'utilisation de nos données comparables, la base de données d'État civil ou les données de l'ISQ ne change pas nécessairement notre analyse. Et dans le graphique, là, on voit que le graphique, lui, présente les résultats pour la première mesure, donc l'excès de mortalité, là, indice 1, donc qui est la différence entre les données observées et les données attendues. Et donc, on voit que pour le Québec, on a un nombre, selon la première mesure, là, qui est un peu moins de 5 000 décès en excédent, comparativement à 1 200 ou 1 300 pour la Colombie-Britannique. Et quand on utilise une mesure qui est un peu plus conservatrice, on se rend compte qu'on a environ 4 000 décès en excédent au Québec et moins de 500 décès en Colombie-Britannique. Donc, il y a vraiment eu une différence, peu importe la mesure. On voit que la mortalité excédentaire est vraiment plus forte au Québec qu'en Colombie-Britannique. Et ce qu'on remarque aussi, quand on regarde ces chiffres-là de mortalité excédentaire, c'est vraiment que le nombre de décès attribuables, qui ont été attribués à la COVID-19, est plus élevé que le nombre de décès attendus. Donc, si on essaie de comprendre puis on veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui amène à ça, on pourrait voir que bon, certaines des autres causes de décès ont un peu diminué. Est-ce que ce serait dû au ralentissement économique? On sait que souvent, là, quand certains facteurs économiques peuvent avoir des effets positifs sur la mortalité. Il y a aussi, est-ce que les décès ont été correctement attribués à la COVID-19? Est-ce que pendant la période de pandémie, on était peut-être un peu trop prompt à attribuer ces décès-là à la COVID-19? Puis aussi, comme on va le voir, puis je pense que tout le monde le sait, bon, les personnes les plus âgées ont été touchées, les personnes dans les institutions de santé ont été plus touchées. Donc, les personnes qui étaient plus vulnérables avaient peut-être d'autres facteurs de risque ou d'autres éventuellement auraient décédé d'une autre cause dans la même période de temps. Donc, pour essayer de démystifier ces différentes hypothèses, on va regarder un peu la mortalité, mais par cause. Donc, ici, on compare encore le Québec et la Colombie-Britannique et on a les chiffres de mortalité excédentaire. Donc, on voit ici là, que certaines causes, comme le cancer, maladie du cœur, maladie respiratoire, donc, ont des mortalités excédentaires négatives. Puis, l'effet est beaucoup plus fort pour le Québec. Donc, on peut dire que par rapport à ce qu'on s'attend ou au nombre de décès liés au cancer ou aux maladies du cœur, dans cette période-là, la mortalité a été beaucoup moins forte. Donc, si on somme le nombre de décès excédentaires de l'ensemble des causes en excluant les décès COVID, on arrive en Colombie-Britannique à plus ou moins 250 décès excédentaires, mais au Québec, on arrive à un nombre de négatifs d'un peu moins de 2000 décès excédentaires, donc en excluant les causes de COVID. Donc, on voit le nombre de décès pour exactement la même période attribuable à la COVID-19, donc plus ou moins 200 pour la Colombie-Britannique et 6000 pour le Québec. Donc, si on fait si on additionne les deux, on arrive à une mortalité excédentaire qui était d'environ 4 000 décès pour le Québec et qui était de 400 décès pour la Colombie-Britannique par rapport à la mortalité excédentaire qu'on avait modélisée. Donc, on voit que pour le Québec particulièrement, les nombres sont très près. Donc, disons, un tiers des décès seraient des décès qui seraient survenu de d'autres causes que de la COVID-19. Maintenant, si on essaie de comprendre aussi l'ensemble des différences entre le Québec et la Colombie-Britannique, on peut faire cette analyse-là de la mortalité, du nombre de mortalités en excès par, euh,
pour les différents groupes d'âge. Donc, premier constat, quand on regarde le nombre de décès, donc le graphique qui est à gauche, on voit que la Colombie-Britannique, bon, n'a pas nécessairement, il y a peut-être un petit, il y a un petit sursaut, mais c'est vraiment dans la moyenne des décès par âge, tandis qu'au Québec, on a vraiment une augmentation là, liée à la première vague. Si on voit ici, là, ici c'est le début, c'est le mois de mars. Donc, on voit que la mortalité a vraiment frappé plus fortement les personnes de 70 ans et plus. Quand on regarde la mortalité excédentaire, donc cette partie-là du graphique, on voit qu'au début de la pandémie, la Colombie-Britannique a eu une augmentation, donc pour les gens de 80 ans, de 80 à 89 ans. Donc, on avait une mortalité excédentaire avoisinant les 70 %, tandis qu'au Québec, la mortalité excédentaire était beaucoup, beaucoup plus forte. Là. Faites attention, justement, on n'est pas sur la même échelle, mais on est dans un cas de 300 on a 300 % de mortalité excédentaire, donc quatre fois plus élevé pour les personnes de 80 ans et plus que ce qu'on pouvait s'attendre ou ce qu'on modélisait avec notre modèle. Même chose, on sait, un autre facteur qui est important, où la mortalité a frappé beaucoup plus fortement. Donc, c'était la différence entre les gens qui vivaient en ménage privé et les gens qui vivaient en institution de santé. Donc, ici, en Colombie-Britannique, on voit qu'au début de la pandémie aussi, une augmentation, 55 % de décès excédentaires. Et rapidement, là, au cours de la première vague, ce nombre-là a diminué. Tandis qu'au Québec, lorsque le nombre de décès a augmenté, ça a continué à augmenter jusqu'au milieu de la première vague pour atteindre un nombre là, deux fois et demi plus élevé que le nombre de décès attendu. Par contre, même ici, faites attention, les échelles sont encore différentes, mais on voit que pour ce qui est des gens qui sont en ménage privé, autant au Québec qu'en Colombie-Britannique, là, ça a augmenté peut-être entre 20 et 30 % de décès excédentaires. Donc, on voit qu'une des différences pour le Québec a vraiment été la surmortalité en institution de santé. On regarde ici aussi la mortalité par quintile de revenus. Donc, de savoir est-ce que les gens dans les quintiles inférieurs ont été plus touchés que les gens dans les quintiles supérieurs. C'est pas très clair. Les résultats là-dedans n'ont pas été les résultats les plus facile à analyser, mais on peut regarder deux choses. On a l'impression, si on regarde uniquement le nombre de décès excédentaires, on a l'impression que les gens des quintiles inférieurs ont été un peu plus touchés, particulièrement si on regarde pour le Québec. Par contre, si on regarde en proportion du nombre de décès là, attendus, on se rend compte, oui, peut-être que le premier quintile a été plus touché, c'est relativement stable dans les quintiles 2, 3, 4, et on voit une augmentation pour les quintiles, le cinquième quintile. Pour ce qui est de la Colombie-Britannique, bon, les deux premiers quintiles, c'est relativement bas, une augmentation quintile 3 et 4, et aussi une plus forte proportion, là, si on regarde en importance relative des décès attendus pour le cinquième quintile. Donc, une hypothèse derrière ça, on sait que les gens avec des revenus plus élevés ou statut économique plus élevé ont une espérance de vie un peu plus longue. Et donc, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi ces gens-là ont été un peu plus... par la structure par âge qui est un peu différente par quintile de revenus, je pourrais expliquer pourquoi les gens des quintiles supérieurs ont été un peu plus touchés. Donc, quelques limites de ce type d'analyse-là. Donc, premier point, bon, il faut toujours faire attention. La comparaison
de ce type de données-là est toujours un peu compliqué. Donc, on sait que les données, le moment où les données sont disponibles, le moment où les décès sont déclarés peut varier, ça peut varier par province. Ici, on n'a pas fait de comparaison internationale, mais aussi il faut aussi faire attention parce que ce n'est pas l'ensemble des pays qui déclarent les décès de la même façon et avec la même rapidité. Je vous le rappelle, on a analysé uniquement la première vague et l'analyse de la première vague s'est faite avec des données qui ont été divulguées à la fin août. Donc, maintenant, il y a des données qui sont plus récentes disponibles. Donc, ça vaudrait la peine de faire cette analyse-là, particulièrement pour certaines des causes de décès. On sait qu'il peut y avoir un plus grand retard ou certains des décès peuvent avoir été mis dans la catégorie autre et maintenant ont été catégorisés correctement. Et on sait aussi que il y a plusieurs autres méthodes qui sont disponibles pour estimer le nombre de décès attendus. Donc, une possibilité là, de faire une étude de sensibilité par rapport aux différentes méthodes pour savoir est-ce que nos résultats vont tiennent le coup avec ces différentes méthodes-là. Donc, en conclusion, on sait que le Québec a été fortement touché pendant la première vague de COVID-19. Donc, on sait qu'on a eu plusieurs décès. On sait aussi que ça a touché une population qui était plus vulnérable. Donc, on regarde les personnes de 80 ans et plus, les personnes qui vivaient en institution de santé. Donc, c'est les gens qui ont été le plus touchés. Et donc, bon, quand on se compare, ici, on s'est comparé avec la Colombie-Britannique, on voit que, bon, même si au début de la pandémie, il semblait avoir une augmentation aussi de l'excès de mortalité, ils ont été capables de diminuer et de laisser diminuer le nombre de décès en excès, tandis qu'au Québec, ça a continué à augmenter à des niveaux un peu plus élevés. Puis on voit aussi, quand on regarde pour l'analyse par cause de décès, on se rend compte aussi que certaines causes ont un excès de mortalité négative. Donc, l'exemple était pour les cancers ou les maladies, les AVC. On se rend compte que il y a eu moins de déclarations ou de décès de certaines de ces causes et donc ont été peut-être attribuées à la COVID sans que ce soit la COVID qui les ait tués ou ces gens-là seraient peut-être décédés de ces autres causes-là dans la même période de temps. Donc, en terminant, juste un petit mot pour dire la deuxième vague. On est pleinement là-dedans dans la deuxième vague et on voit que les résultats sont plus encourageants. Donc le nombre de même si au Québec on voit encore plusieurs décès attribuables à la COVID, on semble avoir évité des augmentations comparables à la première vague. Donc c'est bon signe. Donc, je vous remercie beaucoup et puis je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Yann. Très intéressant. Ça stimule certainement ça va générer plusieurs questions. Il y a des personnes qui posent leurs questions en utilisant les questions-réponses, mais on privilégie là, que vous posiez votre question à micro ouvert. Alors, j'invite les personnes à le faire. Vous devez lever la main et la technicienne va pouvoir ouvrir votre micro. Ma collègue, Catherine,
Blanchard Goujon va vous nommer pour que vous puissiez ouvrir votre micro. Oui, merci Carole. Donc, on a une première question de Émilie Laverdière. Donc, vous pouvez poser votre question. Vous devez activer votre micro. Je suis désolée, j'ai accroché par erreur. J'avais pas de questions. C'est une présentation vraiment super claire. Je vous remercie beaucoup. Pas de problème. Alors, la deuxième question, Daniel Gauvreau. Oui, bonjour, me voilà. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation. C'est fort utile, très instructif. J'ai deux petites questions. La première sur la définition du quintile de revenus, plutôt sur la façon de le mesurer, surtout en rapport avec le fait qu'on a des gens âgés. Donc, les revenus, puis je ne me rappelais pas que c'était une information qui faisait partie de l'information sur les décès, mais peut-être que j'en ai oublié un petit bout en début de présentation. L'autre question rapidement, est-ce que vous avez fait les analyses séparées pour les hommes et les femmes et est-ce que les résultats sont les mêmes? Donc, merci beaucoup pour cette question. Pour ce qui est des quintiles de revenus, oui, on a les décès dans la base de données de l'État civil. On a cette information-là par quintile de revenus. Oui, il faut. Puis je pense que le point est très bon. Il faut faire attention, particulièrement si on l'a démontré que ça l'a affecté. Que ça affecte les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. Puis on sait que le quintile de revenus là, au moment du décès ou l'endroit où dans la région où le décès est survenu, ça ne veut pas dire que c'est exactement là que la personne a vécu toute sa vie. Est-ce que c'est dans ce quintile de revenus-là? On n'a pas son historique. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention. Pour ce qui est de la deuxième question, oui, on a fait l'analyse par sexe différencié que je n'ai pas présenté ici, mais on sait les femmes ont été, pendant la première vague, les femmes ont quand même été un peu plus touchées que les hommes. Les personnes en institution de santé ont été plus touchées. Donc, il y a des fois, on se retrouve où il y a plus de femmes qui sont veuves, qui sont en institution de santé et donc qui ont été affectées par la COVID. Il y a aussi, et c'est une hypothèse, mais le fait que les proches aidants ont été plus touchés. Donc, on sait qu'il y a plusieurs femmes dans ces milieux-là. Donc, ça pourrait être une explication qui nous dit pourquoi la mortalité était un peu plus forte chez les femmes que chez les hommes. Merci, Yann. Si je comprends bien, le quintile de revenus, il est mesuré par l'endroit où la personne réside? Oui, c'est ça, par le secteur. Là, okay. C'est le quintile de revenus par le secteur où le décès est survenu. Merci, Daniel. Donc, la prochaine question est de Suzanne Stock. Bonjour, merci beaucoup. Vraiment une présentation très intéressante. Ma question, c'est avez-vous regardé pour mieux comprendre les différences entre les deux provinces, les mesures implantées, particulièrement, par exemple, dans les établissements de longue durée en Colombie-Britannique par rapport au Québec dans les CHSLD au tout début, parce que Colombie-Britannique a commencé avec des éclosions dans des établissements et immédiatement a implanté toutes sortes de mesures de contrôle d'infection, d'augmenter la rémunération des employés et d'interdire de travailler dans plusieurs établissements. Au Québec, ça a pris beaucoup de temps avant ça. Il y a peut-être d'autres mesures. Avez-vous essayé de regarder les contextes et les,
des interventions qui peuvent expliquer les observations que vous avez faites? Oui, on a regardé et on a vu qu'il y avait certaines différences entre le Québec et la Colombie-Britannique, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette comparaison-là. Je pense que vous en avez listé quelques-unes qui ont sûrement une très grande importance, donc particulièrement la mobilité du personnel donc à l'intérieur des établissements de soins de santé. Par contre, nous, ce qu'on voulait faire surtout, c'est d'illustrer cette différence-là. Puis il faut voir qu'on n'est pas des personnes de terrain. Donc, je ne voudrais pas m'avancer pour dire quelle était la mesure qui était la plus efficace ou la moins efficace, ou les différences majeures entre le Québec et la Colombie-Britannique, mais effectivement. Effectivement, il y a une partie de ces mesures-là qui ont été mises en place qui peuvent expliquer les différences qu'on voit entre les deux provinces. Merci. Alors, la prochaine question, Nicolas James Clavet. Donc, merci beaucoup, Yann, pour ton excellente présentation. Moi, ma question est par rapport à la révision des données. Je me demandais, est-ce que depuis le mois d'août, il y a eu des révisions importantes, puis est-ce que ça change, est-ce qu'il y a un potentiel de changer les résultats que vous avez obtenus? Oui, les données ont été révisées. Si on regarde pendant le pic de la pandémie, on voit que pour les données qu'on a utilisées, nous, qui étaient les données de la base des données civiles, on avait un peu moins de 2000 décès. Si on regarde avec les données les plus récentes ou les données de l'ISQ, on arrivait à un peu plus de 2000 décès, 2000 ou 2200 décès. Par contre, pour ce qui est de changer la portée de l'analyse, les changements sont, selon nous, pas assez grands pour changer le sens. Ça va changer le nom, mais ça ne changera pas la portée de l'analyse ou il va y avoir peut-être quelques centaines de décès de différence, mais il n'y aura pas une grande variabilité. Par contre, c'est sûr que si on veut regarder les décès pour la deuxième vague ou ce qui arrive maintenant, les données n'étaient pas disponibles parce que nous, c'est les données de août. Mais oui, on a avantage à prendre les données les plus récentes. Puis, comme je disais, surtout quand on regarde pour les différences par cause de décès. Parfait, merci. Merci. On n'a plus de questions. En fait, si certains ont posé des questions dans le module questions-réponses, on vous invite à lever la main. Ah oui, alors j'ai une autre question de Marc Bourdeau. Tous. J'ai un certain nombre de remarques. On ne vous entend plus, monsieur. Votre micro est fermé. Je vais l'ouvrir. Voilà. Oui, parfait. Bon. Nulle part, vous mentionnez que les populations du Québec et de la Colombie-Britannique sont très différentes. Il y a 60% plus de population au Québec qu'en Colombie-Britannique. Ça change quand même les choses, même si dans l'ensemble, ça ne change pas. Ce n'est pas très global, mais quand même. D'autre part, il y a une question de densité de population et de structure d'âge de la population. Au Québec, il y a 4 millions de personnes qui vivent dans la région de Montréal et c'est celle-là qui était la plus atteinte. C'est presque autant que la population de la Colombie-Britannique au complet. Et la structure des âges, c'est qu'au Québec, on a une population passablement vieillissante. C'est les vieilles personnes qui ont été surtout atteintes et qui sont mortes, évidemment. Alors, vous avez donc trois éléments de discussion à répondre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est un très bon point. J'aurais dû le dire tout de suite au début de cette comparaison-là. Oui, la population du Québec
est plus grande que la population de la Colombie-Britannique. Si on regarde uniquement le nombre de décès, effectivement, il faut faire attention parce qu'au Québec, on s'attend à avoir plus de décès parce que la population est plus grande. Par contre, c'est pour ça que quand on présentait, il y avait une partie où on parlait du nombre brut de décès, mais quand on parle du pourcentage de mortalité excédentaire, donc là, c'est la proportion qu'on s'attend selon différentes caractéristiques. Donc là, on tient en compte le fait qu'en Colombie-Britannique, on s'attend à un nombre de décès inférieur à celui du Québec. Et donc, si on dit qu'on a une mortalité excédentaire qui est deux fois plus grande, donc c'est par rapport au nombre de décès attendus et non pas au nombre de décès bruts. Un autre point que vous avez soulevé qui est aussi très important, donc l'effet de la structure par âge. Et oui, quand on est dans une population qui est plus vieille ou une population vieillissante, c'est un autre facteur qui fait qu'on peut s'attendre à une augmentation annuelle de décès un peu plus grande. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé les méthodes qu'on utilisait tenant compte de la semaine ou aussi de l'année pour tenir compte de cette évolution-là du nombre de décès dû au vieillissement de la population. Et aussi, on a fait cette analyse-là quand on faisait l'analyse par différents groupes d'âge. Là, on regardait aussi la mortalité excédentaire pour les différents groupes d'âge, autant au Québec qu'en Colombie-Britannique. Et on voyait que pour les groupes plus âgés, la mortalité excédentaire en Colombie-Britannique était plus faible qu'au Québec. Donc, même quand on tient compte au fait que la population est plus âgée, où il y a plus de personnes de 80 ans et plus au Québec qu'en Colombie-Britannique, on voyait que cette surmortalité-là était plus élevée au Québec. Pour votre troisième question, je pense que c'est un très bon point. L'effet de la densité de population, ça, malheureusement, oui, on est conscient qu'au Québec, une bonne partie de la population vit dans la grande région de Montréal. Il y a des enjeux de densité de population. Même chose quand on regarde pour les quintiles de revenus. Là, on sait qu'en général, les gens dans les secteurs où les quintiles de revenus sont inférieurs, la densité de population est plus grande. Donc, ça peut avoir un impact. Mais malheureusement, on n'a pas fait d'études différenciées selon certains. Parce qu'il y a des indicateurs là, qui nous permettraient pour bien comprendre le secteur, si on est chacun des codes postaux, à quel point ce code postal-là est dense ou non. Mais pour le moment, on n'a pas fait ce type d'analyse-là. Mais je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est un commentaire. C'est une analyse qui vaudrait la peine d'être regardée. Si vous permettez, je vais faire une autre remarque, une autre question. Il y a un élément socio-culturel qui est très important dans le vieillissement de la population. Au Québec, on a tendance à mettre les gens en institution rapidement pour diverses raisons. Il n'y a pas d'enfants, tout ça. Alors, on les met en institution, puis la plupart des morts de la COVID se sont déroulées en institution. Et par ailleurs, les institutions en question ont été vachement sous-financées depuis le gouvernement libéral qui les a sous-financées. Et on sait que ça peut avoir un rôle à jouer. Donc, les causes principales de décès sont dans les institutions. Les institutions, c'est les vieilles personnes. Les vieilles personnes sont plus vulnérables en institution. Est-ce que c'est la même chose en Colombie-Britannique? Ces éléments socio-culturels qui font que les vieilles personnes sont plus en institution qu'au Québec? Oui, si on regarde, la grande différence, c'est pas nécessairement dans les institutions de soins de santé, donc les CHSLD, parce que si on compare le Québec avec la Colombie-Britannique, avec les gens qui sont dans ce type d'institution-là, les taux sont similaires. Une des très grandes différences au Québec, donc c'est les résidences pour personnes âgées ou les RPA. Donc ça, c'est un choix de vie qui est vraiment, qui est particulier
au Québec comparativement à la Colombie-Britannique. Donc, plus de gens, plus de personnes âgées au Québec décident d'aller vivre dans ces types d'établissements-là. Bon, c'est un enjeu pour nous en termes de données, de bien saisir la différence entre les gens qui sont en ménage privé ou les gens qui sont en RPA, parce que quand on regarde les données du recensement, il y a certains défis à travers les années. Ça n'a pas toujours été facile de le faire, mais il faut voir que c'est vraiment, je pense que la grande différence sur le milieu de vie du Québec et de la Colombie-Britannique, c'est vraiment les gens qui sont en résidence pour les APA, les résidences pour personnes âgées, et moins les CHSLD. Par contre, pour ce qui est de la question du financement et les problèmes qui pourraient être similaires ou non entre le Québec et la Colombie-Britannique, je connais pas assez le système de santé là, en Colombie-Britannique pour me lancer dans ce type de réponse-là, mais est-ce que une partie de la réponse peut être là-dedans? Je ne peux ni infirmer ni confirmer ce que vous êtes là. Donc, c'est des points de comparaison importants. Je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup. Catherine, si je peux me permettre, je vais lire la question que Benoît Desti a posée parce que je pense que Benoît a dû nous quitter. Alors, Benoît demande, devrait-on s'attendre à une sous-mortalité, toutes causes confondues, dans les prochaines années au Québec? Oui, c'est un très bon point. C'est ce qu'on pourrait apprendre. Je pense qu'on a entendu parler un peu, donc, l'effet de moisson, de dire qu'il y a eu une surmortalité dans les périodes, là, soit dans la période liée à la pandémie, et que par la suite, le nombre de décès pourrait diminuer. Pour le moment, on a vu pendant l'été que les décès, disons, étaient plus proches de ce qu'on s'attendait, peut-être un peu en bas, mais on n'a pas été en mesure d'identifier un effet de moisson qui était particulièrement fort. Par contre, là, il faut voir aussi, bon, pour ce qui est des prochaines années, ça va dépendre de comment on réagit durant la deuxième vague qui est présentement et peut-être quelque chose que personne souhaite, mais à cause des variants, on a déjà entendu parler d'une troisième vague possible. Donc là, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui va se passer ou de prédire l'avenir. Puis, il y a aussi ce qu'il faut faire attention, c'est les effets indirects, donc qui pourraient aussi affecter la mortalité dans les années à venir. Donc, du fait que le délestage pourrait avoir un effet, donc pourrait annuler l'effet de moisson attendu, mais non observé pour le moment, ou le fait que certaines personnes ont décidé de ne pas consulter pour certains problèmes de santé par crainte justement d'attraper la COVID. Donc, oui, pour répondre à la question de Benoît, oui, certaines personnes peuvent, on entend souvent parler de l'effet de moisson, mais je pense que ça va être, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'évidence empirique qui nous permette de dire qu'on va avoir une diminution de mortalité dans les prochaines années. Mais c'est une possibilité. Merci, Yann. Lisa Deslune, je sais que Lisa, tu voulais faire un commentaire, peut-être demander la parole et on va te donner la possibilité d'ouvrir le micro. Lisa Deslune, est-ce que tu es toujours avec nous? Peut-être pas. OK. Il y a une autre question. Est-ce que c'est seulement les causes principales de décès? Est-ce que c'est seulement la cause principale de décès qui a été analysée? Oui.
Oui, dans notre analyse, nous, on a vraiment regardé la cause principale de décès. On n'a pas, l'analyse ne porte pas sur les différentes comorbidités ou les différents facteurs de risque. Mais effectivement, on sait que c'est justement, c'est l'exemple des populations vulnérables ou les gens qui sont en institution de santé. On sait que, ou les personnes plus âgées, on sait qu'à partir de 65 ans, près de la moitié de la population ont quand même un diagnostic d'une maladie ou un risque quelconque qui est maintenant associé à la COVID-19, mais pour le moment, nous, on a regardé que la cause de mortalité principale. Merci beaucoup, Yann. Je pense qu'on devra s'arrêter ici. Pour les chercheurs, chercheuses qui que ça intéresse, hein, Yann en l'a mentionné, que les données, ces analyses sont faites à partir de la base canadienne de données de l'état civil qui sont effectivement disponibles au CICS. Alors, si ça intéresse d'autres personnes, sachez que vous pouvez mener vos analyses au CICS avec cette base de données. Vous dire aussi que le prochain midi-webinaire, c'est de Martin Renaud et ce sera le 30 mars. Il va nous parler de l'approche participative à Statistique Canada. Martin a déjà présenté en français ses travaux et à la demande générale, on offre ce webinaire-là en anglais le 30 mars. Vous pouvez déjà vous inscrire, consulter notre site web, abonnez-vous à notre infolettre, suivez-nous sur Twitter, vous aurez toutes les informations. Je vous rappelle que le webinaire a été enregistré aujourd'hui, alors pour ceux qui voudraient le visionner ou qui n'ont pas eu la chance de visionner jusqu'à la fin, alors vous saurez que ça sera bientôt disponible sur nos plateformes. Alors, merci beaucoup, Yann. Merci à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée.